Hi there. Today we are at a perfume designer's workplace and she's going to tell you all about her job. Salut, my name is Rochelle DeMeo, your native French instructor from Belterre Academy, and I'm here with... Hi guys, my name is Jill and I'm a perfume designer here in sunny San Diego, California. Parle-moi de ton métier, pourquoi tu t'intéresses à ce que tu fais. Alors en fait, moi je suis née comme le nez ou perfume designer en anglais. En fait, j'imagine et je crée des parfums et des eaux de Cologne. Donc en gros, tout ce qui est senteur, odeur, impression olfactive, c'est un peu ma grande passion. Il faut savoir que le sens de l'odorat, c'est un petit fun fact de départ, c'est le seul qui est relié directement au centre de la mémoire et des émotions dans le cerveau, sans filtre. Et en fait, quand on y pense et quand on s'arrête sur ce fun fact un peu 5 minutes, c'est assez évident. C'est-à-dire que quand, où qu'on soit, à n'importe quel moment de notre vie, avec qui que ce soit, quand il y a une odeur qui passe, en fait, elle s'impose à nous. Je trouve ça absolument fascinant et très très impactant en fait sur le pouvoir qu'ont les odeurs sur nous. C'est-à-dire que même si on a eu une très dure journée de travail, on rentre, on sent de la lavande, ça va immédiatement nous calmer, nous relaxer. Quand on marche dans la rue et qu'on sent l'odeur du pain qui cuit dans une boulangerie avoisinante par exemple, ça va tout de suite nous rendre heureux. Si on est un peu ramollo et un peu déprimé, et qu'on sent une odeur d'agrumes, citron, orange, pamplemousse ou quoi que ce soit d'autre, on va tout de suite se sentir beaucoup plus énergique, beaucoup plus dynamique. Et en fait, les odeurs ont un pouvoir incroyable sur nous et c'est tout de suite ce qui m'a intéressée dans le processus pour développer des parfums et des eaux de Cologne. C'est super intéressant. Je trouve ça vraiment très intéressant. Alors Gilles, qu'est-ce qu'on voit derrière toi? C'est là où tu travailles, n'est-ce pas? Ouais. Tout à fait. Alors en fait, c'est là où je travaille. Ça s'appelle un orgue de parfumeur. Donc on va le voir tout au long de la conversation. En fait, le champ lexical, le vocabulaire de la musique et du parfum sont extrêmement liés. Donc ça, c'est un orgue à parfum. Là, il y a toutes les matières premières, qu'on appelle aussi notes, que j'utilise pour développer un parfum. Alors moi, j'ai un système de classement avec des petites pastilles de couleurs. Et alors en fait c'est une méthode de classement qui prend en compte les trois grandes catégories de notes qui sont présentes dans tous les parfums. Il faut savoir qu'un parfum en moyenne, ça se compose de 50 à 150 matières premières ou notes. Et tous les parfums, absolument tous les parfums peuvent être décomposés en trois types de notes. Donc il s'agit des notes de tête, des notes de cœur, et des notes de fond. Comment on classe ces différentes notes? En fait, tout simplement, c'est par la durée. Donc, là, je vous ai préparé un petit schéma qui est très utilisé dans l'industrie de la parfumerie, qui s'appelle la pyramide olfactive. Donc, en fait, au départ, il y a les notes de tête. Ce sont les notes très fraîches, très intenses, qu'on sent au premier pchit d'un parfum. Elles durent en moyenne 20 minutes. Donc, ça va être tous les fruits, les agrumes, certains aromates, la menthe, l'herbe coupée, pommes, figues, poires, citron, orange, etc. Au bout de 20 minutes, elles disparaissent. Après, on sent les notes de cœur. Donc c'est toutes les fleurs, certains aromates et les épices. Donc la sauge, le romarin, la cannelle et toutes les fleurs. Donc rose, jasmin, géranium, toutes les fleurs auxquelles vous pouvez penser. Et donc ça dure jusqu'à 2 heures. Et au-delà, c'est ce qu'on appelle les notes de fond. Donc c'est tous les muscles, tous les bois, bois de cèdre, bois de santal, et toutes les notes dites gourmandes, donc ce sont les vanilles, café, chocolat, etc. Avant de continuer, pensez à vous abonner à cette chaîne. Go ahead and click that subscribe button for me. Thank you. Alors Gilles, quelles sont les démarches pour fabriquer du parfum? Alors en fait, c'est assez simple. Donc on a toutes ces notes, et on va les mélanger. Pour du coup créer un parfum. Et c'est encore un peu comme en musique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord créer des accords. Donc un accord, c'est deux ou plus
notre matière première, qu'on va mélanger pour faire une troisième impression olfactive. On va faire une petite démonstration. T'es prête? Ouais. Non, on va fabriquer du parfum là? Ouais. Ah, trop de balles. Ok, on y va. Allez. Alors, ça, c'est le meilleur ami du parfumeur. C'est une balance de précision. C'est ce qu'ils utilisent en fait en chimie scientifique. Mm-hmm. En fait, on utilise les mêmes outils. Excellent. Donc les mêmes que les chimistes. Donc là, on va faire. J'ai essayé de trouver l'accord le plus simple que j'avais. C'est un accord avec 6 notes. Donc là, je vais juste manipuler les différentes notes. Normalement, avec un parfum qu'on fait en finale, on travaille avec des matières qui sont à 100%. Là, je les ai déjà diluées pour que ça aille plus vite et juste pour la démonstration. Donc là, c'est du 10% et du 1%. D'accord. T'es prête? Oui, je suis prête. Ok. Alors. Regarde pas trop parce qu'après je vais te demander ce que c'est. Oula. Alors, pardon. Ma mère, elle adore tout ce qui est très agrumes. Donc citron. Ta mère, elle aime ça? Ça, c'est rare. C'est vrai? Ouais. En fait, c'est extrêmement lié aux tendances, les parfums. C'est-à-dire qu'en fait, ta mère, elle a dû grandir avec les Shalimar, les Chanel. Mmh. Et donc, en fait, les personnes de son âge sont souvent très. Elles aiment beaucoup ce genre de parfum très capiteux, très fort, etc. Où il y a peu d'agrumes finalement. Ah ouais. Donc c'est pas des parfums très frais, très aromatiques comme on a aujourd'hui. D'accord. Ouais. Ça craint alors moi quand je vais être d'un certain âge, je vais vraiment je vais être la femme qui porte le parfum que tu sens à 3 km quoi. Non parce que en pas fait forcément. Toi t'as pas grandi avec ça. Ah. Toi t'as grandi avec d'autres parfums. Oui c'est vrai. T'as grandi avec Anaïs, avec Acharel. avec Kenzo Flower, et donc en fait tu vas continuer avec ces parfums là. Et en fait c'est très générationnel des parfums, c'est pour ça que j'ai demandé l'âge de ta mère. D'accord. Parce que tu vois moi parmi mes parfums, j'en ai un que du coup toi tu vas probablement beaucoup aimer et que les femmes de la génération de ta mère vont trouver trop léger, trop floral. D'accord. Tu vois, et c'est uniquement de l'apprentissage. En fait le parfum c'est extrêmement culturel. Voilà, super intéressant. qu'est-ce que j'ai pas mis? Non, ça c'est pour le test d'après. Qu'est-ce que tu sens? Voilà. Ah, ça me fait penser à quelque chose ça. Ressens, essaie d'imaginer. Non mais ça me fait penser à un truc genre que je portais quand j'étais plus jeune, peut-être. C'est vieille quoi. Ah là. Une fleur? Mais c'est une fleur. Ouais, tout à fait. Là, on a fait un accord. Une blanche. Non, c'est pas du muguet, non. Je sais pas ce que je sens. J'ai l'impression que je l'ai au bout de la langue. C'est souvent ça en fait avec les odeurs. C'est vrai? Parce que c'est quelque chose de très émotionnel et qui est très lié à la mémoire, aux souvenirs. Ça me rappelle des bons souvenirs. C'est un sens primaire. Ouais. Ah là là, je suis vraiment nulle. Mais non. Ça sent bon en tout cas. Je sais pas. C'est vrai? Ouais. C'est un accord de rose. Est-ce que maintenant que je te l'ai dit, c'est évident ou pas? Oui, maintenant que je te l'ai dit, j'allais un peu... C'est un accord très simple de rose. Ce que tu tiens là, ça s'appelle une touche. D'accord. Une touche de parfumeur. D'accord. On trempe ou on spray sur le petit bout. Toujours. D'accord. Et on marque ce que c'est sur l'autre bout. Ah. Donc, quand vous allez chez Ulta, chez Sephora, et qu'on vous fait l'inverse, vous savez que vous connaissez, vous avez plus d'informations que la personne qui vous renseigne. Et maintenant, ça, donc ça c'est un accord de rose que j'ai fait avec les 6 ingrédients. Ça, c'est un absolu de rose naturel. D'accord. Voilà, je te l'ai donné, tu compares. T'as senti deux fois le même là. Oui, je sais. Ah, d'accord. Je n'étais pas sûre. Justement, je t'ai acheté. Parce que je préfère celui-là. Ok. Celui-là est très naturel. Donc, une matière naturelle, elle peut contenir jusqu'à 400 molécules différentes. Ouais. Donc, c'est extrêmement complexe. Mm-hmm. Alors que quand on fait un accord soi-même, on choisit exactement ce qu'on veut mettre dedans. D'accord.
Parce que ça j'aime trop, c'est plus amer en fait. Quand je sens, alors que ça, c'est plus sucré, c'est plus doux. Mm-hmm. Bah, parce qu'en fait, c'est ce que je voulais. Donc moi, je voulais une rose plutôt légère. Et du coup, je me suis concentrée vraiment sur ces aspects-là de la rose. Donc les aspects qui sont plus amers, plus lourds, plus sombres parfois, notamment c'est des roses rouges, je les ai complètement mis de côté. C'est pas ce qui m'intéressait pour cet accord-là. D'accord. Super intéressant. Purée. Et donc en fait, dans cet accord, je vais te montrer ce que j'ai mis. D'accord. Donc j'ai mis une matière naturelle qui est le géranium. D'accord. Quand on parle de géranium en parfumerie, on s'occupe pas des fleurs. Ah, on prend les feuilles de géranium. Donc ça c'est une huile essentielle. Et tous les autres, ce sont des synthétiques. Tous les autres. Alors, tu vas me demander pourquoi j'ai utilisé des synthétiques pour faire mon parfum plutôt que ma rose, puisque j'avais déjà une rose. Pourquoi je me suis embêtée à faire 6 synthétiques ensemble pour faire un accord de rose pour mettre dans mon parfum. Alors le fait est, notamment pour cet accord là, mais c'est vrai pour d'autres accords, que là j'ai utilisé des synthétiques, la raison primaire c'est les allergies. Ah. Donc il y a beaucoup de choses naturelles qui en fait sont très allergènes pour les gens. Donc quand t'entends les gens parler de « Oh, moi je réagis mal au parfum, quand je les mets sur ma peau, je fais des réactions cutanées, j'ai des rougeurs, ça me gratte, etc. » C'est toujours à cause de matières naturelles qui sont surdosées. D'accord. Ça le fait beaucoup avec les épices. Par exemple, tout ce qui est clou de girofle, cannelle, c'est des matières très allergisantes. D'accord. Donc là, dans la rose également en fait. Donc c'est la première raison pour laquelle j'ai utilisé des synthétiques, pour éviter toute allergie. La deuxième raison pour laquelle moi j'aime bien utiliser des synthétiques, c'est que c'est beaucoup plus éco-friendly. Ah, d'accord. Donc il faut savoir qu'en fait, il y a des matières naturelles, notamment animales ou même végétales, qui sont exploitées à travers le monde, mais qui contribuent à la déforestation ou au braconnage. Ah non, j'aime pas ça. Et du coup, moi, c'est pas forcément mon concept ou ma vision ou ma philosophie. Donc pour ma marque, notamment, j'utilise des accords, par exemple, pour le bois de santal. D'accord. Le bois de santal, c'est déforesté. C'est une espèce en voie d'extinction. Alors les gens n'en parlent pas trop parce que c'est un végétal, donc c'est pas très intéressant. Mais il faut savoir que quand vous achetez des... tout le monde achète des parfums 100% naturels avec du bois de santal dedans, c'est de la déforestation. Dingue, ça je savais pas. Et c'est important de savoir ça parce qu'il y a toute cette tendance all natural et c'est très bien. Oui. Mais il faut savoir si on a des allergies avant d'acheter des choses all natural, parce que c'est là où on va en développer le plus. Et ce qu'il y a dedans, si c'est des matières animales, si c'est des matières protégées, en fait, faut acheter en fonction de ses valeurs et le savoir. Ouais. Parce que en achetant, en fait, on cautionne. Mmh. Donc voilà, c'est les raisons pour lesquelles moi j'utilise pour certains accords des matières synthétiques. Ça j'ai, en tout cas, ça sent super bon. Alors Gilles, quels seraient des conseils que tu pourrais nous donner pour bien se parfumer? Ah, c'est une question très intéressante. Alors déjà, avant même de se poser la question sur comment on se parfume, je vais vous expliquer combien on se parfume. Parce que on a toujours cette personne autour de nous qui cocotte, donc qui sent beaucoup trop fort, ou une personne qui nous demande qu'est-ce qu'on pense de son parfum alors qu'en fait on sent rien. Ouais. Alors, avec des produits comme ça, où il y a marqué eau de parfum dessus, ou extrait de parfum, on y va mollo. Donc c'est un ou deux sprays maximum. Avec des eaux de cologne, des eaux de toilette ou des brumes, on peut aller jusqu'à 3-4 sprays. Déjà, ça c'est important en termes de quantité. Ensuite, en termes de technique pour se parfumer,
On peut se parfumer si on n'a aucun problème d'allergie et si de toute façon c'est ce qu'on souhaite. On peut se parfumer directement la peau. Notamment ce qu'on appelle les points chauds. Donc c'est le cou, derrière les oreilles, à l'intérieur des coudes, à l'intérieur des poignets, le décolleté. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personne a sa propre odeur. Chaque peau est différente. Donc si j'applique un parfum sur ma peau, ça ne va pas sentir pareil, le même parfum, que sur Rachel. Que sur vous, que sur tout le monde. Donc en fait, sa propre peau, c'est l'ingrédient final du parfum. C'est pour ça que chaque parfum sent différemment sur une personne. Et ça, c'est une alchimie naturelle, c'est normal. Donc ça, il faut le prendre en compte quand on se parfume directement la peau. Donc voilà, ça c'est pour la peau. Il y a des personnes qui préfèrent se parfumer les vêtements, ou bien parce qu'elles ont des réactions allergiques, ou bien parce que c'est un parfum qu'ils aiment beaucoup, mais que justement avec l'alchimie de leur peau, c'est moins bien. Donc moi ça m'arrive beaucoup, j'ai pas une super peau, j'ai une peau qui est très sèche et qui a tendance à absorber les parfums. Donc j'aime beaucoup moi me parfumer les vêtements. Souvent ça rend mieux sur mes vêtements que sur ma peau. Ça dépend des gens. Super intéressant. Bah en fait c'est une alchimie propre à chacun, il faut tester. C'est top. J'ai une amie qui aime beaucoup se parfumer les cheveux aussi. Oh ouais. C'est un rituel de beauté, elle se parfume les cheveux tous les matins comme ça. C'est quelque chose de quasi intime, la façon de se parfumer. Donc il faut trouver la façon qui marche bien pour soi. Il y a aussi des gens qui aiment beaucoup se parfumer le dos du manteau. Ou à San Diego, comme il fait plus, le dos du t-shirt ou de la veste. Parce qu'en fait, quand il marche, il laisse un sillage. Et donc les autres perçoivent l'odeur. C'est vrai ça. Et donc, ouais, il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Et la façon la plus recommandée en parfumerie française, c'est le nuage. Alors le nuage, c'est, ça peut paraître un peu romantique comme ça. Donc en fait on spraye un nuage, donc là c'est plus un ou deux sprays. On spraye l'air devant nous d'un nuage et on passe dedans. Et en fait ça c'est la meilleure façon pour être parfumé de façon uniforme. Parce qu'il y en a vraiment partout. Alors pour les gens qui comme moi ont des lunettes, enlevez les lunettes avant de passer dans le nuage s'il vous plaît. Sinon c'est une horreur à nettoyer. Ben merci beaucoup Gilles, merci énormément. Son site web figure ci-dessous. Make sure you give the video a thumbs up and support Jill. I want to know what part of this video you found the most interesting and what questions you might have. Write it in the comment box below. À bientôt les amis. Bye.